Salut les tripeurs! Et pété ma strap! J'ai pas l'outil pour ouvrir mon. Je sais pas, je l'ai laissé à quelque part. Je sais pas où. Ça, c'est ma courroie qui reste. Ben, je n'ai une belle neuve, mais j'ai pas l'outil. Je vais vous montrer un petit truc pour remettre une courroie si on n'a pas l'outil pour ouvrir la poulie. Les vieux de la vieille, ils connaissent le truc. Fait que je vais le dire à ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui en ont d'autres, mais faites des beaux vidéos, vous autres aussi. Puis j'aimerais bien ça avoir tous les meilleurs trucs, moi aussi. Je vais vous donner le mien. Premièrement, on suppose que la courroie n'est plus là. Là, la poulie est fermée ici. Fait que là, ma courroie, elle ne rentrera pas pour être capable de la rentrer dans la clutch. Il faut que la poulie soit ouverte. Fait qu'un truc que j'ai, premièrement, il faut toujours mettre l'écriture pour qu'elle soit sur le bon bord. Peu importe la courroie, il faut que ça soit lisible comme ça. Fait que la courroie va aller de même. Si elle flambe en neuve, c'est pas bien grave. L'important, c'est toujours la remettre pareil comme qu'elle était. Parce que souvent, il y a un côté qui use plus d'un angle différent que l'autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas revirer de bord un coup que la courroie a été utilisée. Mais là, celle-là est neuve. Premièrement, ici, mes assiettes sont super chaudes. Probablement, quand on casse des courroies, les assiettes sont très chaudes. Attention pour vous brûler, prenez des gants. Vous pouvez mettre de la neige pour mouiller les assiettes. Ok, c'est important de les mouiller. La courroie aussi, je vais la mouiller. Je vais mettre le frein de stationnement en haut. Puis ici, la partie en arrière, là, elle bouge. Voyez-vous, je suis capable de la tourner. Si jamais que c'est un ressort que vous avez, là, qui revient tout le temps tout seul, mais envoyez-la en arrière. En même temps, je vais le mettre de côté. Fait que supposé qu'il y a un ressort, mais là je vais venir avec le frein, là ça tourne pas. Fait que là je vais venir reculer mon assiette puis je vais tirer par en haut. Ok, pour pas qu'elle revienne, pour la bloquer là. Puis là, je vais tirer le plus fort que je peux par en haut en faisant ça. Et vous voyez là. Donc là, j'ai ouvert ma poulie. Je vais prendre mon morceau de courroie qui est brisé. Si vous n'avez pas de morceau de courroie, là, fouillez dans votre skidoo. Mettez un lighter, une branche, n'importe quoi, on va mettre ça ici. Ok, on va la tenir ouverte. De côté, c'est pas grave. Comme ça. Là, je relâche la pression. J'enlève la courroie. L'enlever d'être là complètement. Je vais m'assurer qu'elle suit de bon bord. Là, je vais la mettre sur la clutch pour commencer. Le bonhomme est essoufflé. On va approcher ça un peu. Même s'il y a de la neige dessus, là, un peu, c'est pas grave. Ça va partir dans les premiers 200-300 pieds. Fait que là, le truc, là, c'est de venir la rentrer ici. Puis après ça, on la fait pivoter en avant de la clutch. Okay? Puis on la rentre jusqu'au fond. Puis on la monte le plus haut qu'on peut. Là, on vient embarquer en avant, ici en haut. On commence pas par là parce que... Excusez, on commence par là pour clairer la braquette. Parce que si on fait le contraire, des fois ça l'accroche ici en finissant. Tandis que là, ça rentre super bien. Et voilà, elle est rentrée. Là, j'ai juste enlevé mon morceau de courroie. Le morceau de courroie est enlevé. Là, je peux venir, je peux tourner ma courroie. Ou avancer le skidoo. Partir le moteur.
Puis là, c'est normal qu'une courroie neuve, elle va être plus haute. Mais là, si vous n'avez pas l'outil pour ça ou quoi que ce soit pour changer l'ajustement, vous pouvez vous rendre chez vous pareil. Là. Ce qui doit, il peut peut-être avancer tout seul. Mais c'est pas grave, vous ne serez pas mal pris. Supposons que votre courroie est dessus puis vous voulez l'enlever, pas d'outil. Vous faites la même chose. Vous allez reculer la poulie, mettre le frein, reculer la partie intérieure jusqu'à temps que ça fasse cloque. Après ça, de préférence, mouiller la courroie. Là, j'en ai tiré dessus. Puis là, mettons, regardez, ouais. Si vous avez une corde, une strap, ou peu importe. Moi, j'ai des petites courroies dans mon coffre. Je vais mettre une courroie ici en haut. Ça va être beaucoup plus facile à tirer. Je viens donner deux, trois bons coups. Là, je prends une branche, un lighter, n'importe quoi, puis je viens coincer ça et ça. Là, il tient tout seul parce que la courroie est déjà là. On est coincé ça là. Puis là, je vais juste enlever ma courroie comme d'habitude. Comme quand je la mets. Puis là, je peux la remettre. C'était mon truc de la semaine. N'oubliez pas de ramasser vos bouts de courroie. Jetez pas ça sur le bord de la trail. Là. Amenez ça chez vous dans votre poubelle. Gardez votre droite. Salut.